Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Max15. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous faire une vidéo pour vous parler. J'ai eu un abonné hier, il est venu me contacter via les réseaux sociaux, comme vous savez. Et du coup, il m'a dit que lui et un de ses potes avaient le coronavirus. Maintenant, il y en a sûrement qui vont dire que c'est faux, il y en a sûrement qui vont dire que c'est vrai. Personnellement, je les crois parce que je ne sais pas, je ne pense pas que c'est des personnes qui vont mentir. Maintenant, je sais qu'il y a plein de choses par rapport au coronavirus, il y a plein de délires, il y a plein de bails avec ça, mais je ne pense pas que ce soit des conneries. Maintenant, pensez de vous ce que vous voulez. Moi, je ne critique pas, mais je vais juste leur dire, si ils ont réellement le coronavirus, franchement, courage à vous, soignez-vous bien et surtout ne sortez pas, surtout faites pas cette connerie-là, parce qu'il y en a, il y en a, je suis sûr, mais non, je ne peux pas l'affirmer, mais je suis sûr, ils ont le coronavirus et ils sortent quand même. Comme ils l'ont dit aux infos et comme vous le savez, pour les Belges notamment, en France, je ne sais pas, mais pour nous les Belges, demain, donc mercredi, il y aura un couvre-feu à partir de 18h. 18h, on ne peut plus être dehors, on peut plus. En fait, on doit avoir une raison valable pour sortir. Donc, il y aura l'armée, il y aura la police, fixe, mobile, il y aura. En fait, ce serait. Comme une apocalypse, le truc. Donc, surtout ne sortez pas, restez bien chez vous, faites comme moi. Oui, il y a une nouvelle cage à. Il y en a qui vous diront, ah, t'as un canari? Non, c'est un petit rat femelle, elle a 7 mois. J'ai posté une photo sur les réseaux. Donc, bref. Enfin, voilà. Je vais vous la montrer après. Surtout ne sortez pas, personne, moi je ne sors pas sauf quand il y a besoin. N'allez pas sortir faire la fête illégalement, c'est vraiment pas intelligent et surtout à ne jamais faire. C'est aller voir les personnes fragiles qui ont des problèmes de santé, qui sont à risque. Surtout ne faites pas ça, ça peut aller loin cette histoire. Voilà. Donc, moi, je voulais juste souhaiter mon courage à ces deux abonnés s'ils ont réellement le coronavirus. Bonne chance à vous et surtout soignez-vous bien. Oui, vous voyez mon jeu. Voilà, j'ai un jeu sur le PC, notamment Habbo Hotel pour ceux qui connaissent, et le jeu de Simulator 2020. Voilà, sur Xbox. Donc, je vous ferai un live dessus si vous voulez sur Twitch. Ce soir, en parlant de Twitch, je vous donne rendez-vous live sur Kingdom Hearts 3. Voilà, tout simplement, je vous donne rendez-vous ce soir. Je vais vous montrer la petite mistinguette là et je reviens vers vous. Bon, du coup, voilà, je vais vous montrer. La voilà, elle s'appelle Luna. Je l'ai nommée Luna parce que c'est un rat femelle. Voilà, je l'ai reprise parce que, ben. La personne travaille dans les internationaux et c'est bien parce que je peux allumer et éteindre comme je veux. C'est bien avec le téléphone. Bref, il travaille dans les chauffeurs poids lourds internationaux. Du coup, il n'a pas le temps de s'occuper de ces petites bêtes. Du coup, il y a une amie, une connaissance qui me l'a donné. Elle mord pas, elle est très gentille comparée à lui en bas. Alors oui, ça, c'est le bordel de elle. Voilà, comme vous voyez, c'est le bordel dans sa cage. Sa cage, elle est encore propre, mais c'est le bordel. Voilà, donc elle fout des trucs partout, même à terre, regardez. Même à terre. Comparé à lui, là, qui dort dans sa gamelle, que je vais devoir remettre à manger. Enfin, voilà. Donc elle fait des petites pincettes, mais genre elle fait pas mal, elle fait des petites pincettes, et elle est vraiment bien. Voilà, donc avec son petit biberon, je vais changer son biberon parce que tous les jours, enfin tous les jours elle est peut-être, ouais tous les jours, enfin, une fois par jour je dois changer l'eau. Voilà, sinon elle vous dit coucou, et puis voilà, t'as un truc à dire Luna? Oui? Elle a 7 mois, hein, les petites, mais bon.
quand elle grandira, il faudra que je commande une cage comme ça exprès pour eux, pour elle, quoi. Et elle fout vraiment le brin, quoi. Enfin voilà, bref. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser. En tout cas, bonne chance à vous. Faites attention à vous. Prenez soin de vous, de votre famille. C'est important. Et une fois que tout ça, sera réglé, ben j'espère tout simplement que tout reviendra normal. Et en tout cas, voilà. Enfin bref. Bye bye tout le monde, c'était Mazou15. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager un maximum cette vidéo. C'était Mazou15. Bye bye tout le monde. Prenez soin de vous.